dans le monde de l'univers des enfants, et pas que, avec à l'affiche un auteur ivoirien qui s'appelle Josué Guébo. Quel mois de mai pour Josué Guébo, lui qui est poète, conférencier, essayiste, écrivain, à 3 sorties de livres en même temps. Le premier livre s'appelle « Le sacre du GTI » et en fait, cela raconte, vraiment avec une très grande poésie, un mythe qui vient d'une ethnie de Côte d'Ivoire, les Crous, et il explique à travers ce mythe le pouvoir et la puissance de la discrétion. Après cet ouvrage pour adultes, on se penche sur les deux autres sorties qui sont des ouvrages jeunesse. Il faut savoir que Josué Guébo est un spécialiste du Père Noël. Il a écrit un livre qui est devenu un classique qui s'appelait « Le Père Noël aime la tchéquée ». Il a récidivé avec un autre livre qui s'appelait « Le Père Noël danse le Ziglibiti ». Et là, il revient avec un livre qui s'intitule « Le fils du Père Noël ». Moi, je trouve que déjà le titre suscite la curiosité. Et puis enfin, donc, il a deux œuvres, deux de ses histoires qui sont publiées dans un recueil qui s'intitule « Les plus belles histoires de Planète J'aime lire » édité par Nimba. Le principe de ce livre est très simple, vous avez une histoire à lire pour chaque jour de la semaine, sachant que le dimanche, on vous invite, en vous donnant des conseils, à créer votre propre histoire avec votre enfant. C'est édité par la maison Nimba, qui sort 3 autres livres jeunesse, on peut voir tout leur catalogue sur leur site internet, nimba-edition.com. Donc cette semaine, je vous invite avec la plume de Josué Guébo et son humour à lire des histoires à vos enfants et à en écrire ensemble.